chez le Marocain de confession musulmane, il y a absence du Balkan. Et quand il y a du Balkan, ça donne sur la cour centrale. Donc chez nous, quand vous allez remarquer, c'est toujours des fenêtres minuscules en fer forgé. Hein. Et toujours, je reviens à ce que je disais, c'est pour camoufler la richesse. En même temps, la misère. Hein. Donc la droite au fond, c'est la Casbah. Ici, c'est le Mena. Et chez nous, comme j'ai dit, hein, il y a absence du Balkan. Chez nous, la lumière est recherchée d'une façon zénitale. C'est quand c'est le zénith qu'il y a le dispatching de la lumière dans les chambres. Par contre, ici, hein, comme chez vous, vous recherchez la lumière d'une façon horizontale. Donc pour dire que même le plan de l'habitat n'a rien à voir avec le vôtre. Malheureusement, c'est là qu'on va descendre. On doit marcher ainsi 10-15 minutes jusqu'au palais. Hein. Et après, on aura encore 15-20 minutes jusqu'au restaurant. Très vieux, c'est début du XXe siècle. Et il est vrai que du temps du protectorat, on l'avait réorganisé comme un lieu d'habitat pour les militaires, les officiers, les grands officiers. C'est la raison pour laquelle on a ouvert ce passage-là. Et vous avez vu, il y a à côté un endroit avec une bâche là, c'est le garage. Et donc on a mis des marches, alors qu'on peut imaginer que dans le temps, comme il n'y avait pas de voiture, donc quand on arrivait là, et bien, on a vu un cheval. Merci.
Attention. Alors, bien entendu, c'est la partie d'Apple-Oeil. Oui. Parce que c'est clair que il y avait du monde qui venait, on voulait impressionner le monde. Et donc, quand on venait là, et alors sachez que c'est dans nos coutumes, les gens sont ouverts. C'est ceux qui accueillent le monde. Mais en tout cas, les riches, ils avaient.